règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement dans son article 86. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux de candidature à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente. Dit la présente requête recevable mais non fondée. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement de préférence. Dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, au requérant ou à son mandataire, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce 30 octobre 2023, à laquelle ont siégé Madame Monsieur Kamuleta Batimanga, le président, Mabongo Mfumbi Dikoma Jean-Pierre, Bokonawi Babonjani François, Kamume Asengo Tchéoussi Alphonse, Jala Lumabaati Christian, Lumum Maya Sylvain, juge, en présence du procureur général M. Jean-Paul Mokoloko Pécha, avec l'assistance de M. Yadessé Kondouzi, le fier du siège. La Cour appelle la cause sous RCE-002. Monsieur Ngila Enoch contre la CENI. Ce dossier était déjà pris en délibéré. L'arrêt sera prononcé sur le dispositif. C'est pourquoi, sur la Constitution de la République démocratique du Congo, sur la loi organique numéro 13-026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81 alinéa 2, sur la loi organique numéro 13-012 du 28 juillet 2010, portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée, complétée à ces jours, sur la loi numéro 06-006 du 9 mars 2006, sur le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit la présente requête recevable et fondée. Ordonne à la Commission électorale nationale indépendante de recevoir dans un délai de 48 heures, à dater de la notification du présent arrêt, les dossiers de candidature de M. Ngila Enoch et de publier la suscite candidature sur la liste définitive des candidats présidents de la République pour l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, au requérant, ou à son mandataire, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a ainsi délibéré et statué en son audience de ce jour à laquelle a siégé la présente composition.
vous rappelle la cause sous RCE003, M. Tshibwadi Mansanga, junior contre la CENI et le journaliste appuyé. C'est pourquoi, vu la constitution de la République démocratique du Congo, telle que révisée à ce jour, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81, alinéa 1, vu la loi organique numéro 13/012, du 28 juillet 2010, vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées par la loi numéro 11/003 et consorts, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit irrecevable la présente requête, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, au référent ou à son mandataire, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué en son audience publique de ce jour, à laquelle a siégé la présente composition. Pour ceux qui avaient assisté à l'audience du vendredi, la Cour précise que ce dossier, contrairement à ce que le requérant avait annoncé à l'audience, comme quoi il désistait, mais dans sa note de voirie, il avait continué à confirmer sa requête et c'est pourquoi la Cour est arrivée à l'irrecevabilité. La Cour rappelle la cause sous RCE 004, Monsieur Montou Lucy Emmanuel contre la CENI. C'est un dossier qui était présent délibéré pour l'arrêt être rendu aujourd'hui et il sera lu sur le dispositif, bien que rédigé en entièreté. C'est pourquoi, vu la constitution de la République démocratique du Congo, telle qu'elle est visée à ces jours, spécialement son article 171 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement son article 81 alinéa 1, vu la loi organique numéro 13/012, portant organisation et fonctionnement de la CENI, telle que modifiée et complétée à ce jour, vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée et complétée à ce jour, vu les règlements intérieurs de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86,
la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente. Dit irrécevable la présente requête. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, au requérant ou à son mandataire, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué en son audience publique de ce 30 octobre 2023, à laquelle a siégé la présente composition. La Cour appelle la cause sous RCE 005, M. Mbunzu Makumba François contre la CENI. C'est un dossier déjà pris en délibéré et l'arrêt sera lu sous le dispositif. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81, alinéa 1er, vu la loi organique numéro 13/012 du 28 juillet 2010, portant organisation et fonctionnement de la CENI, telle que modifiée et complétée à ces jours, vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ces jours, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux de candidature à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente. Dit irrecevable la présente requête, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, au requérant ou à son mandataire, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué en son audience publique de ce 30 octobre 2023, à laquelle a siégé la présente composition. La Cour appelle la cause sous RCE 006, Madame Guinée Batali Joël contre la CENI.
La cause était communiquée au ministère public pour recevoir son avis ce jour. Même si l'avis était déjà déposé à la Cour des comptes. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour la lecture de votre avis. Merci, monsieur le président, pour la parole que vous accordez, monsieur le président, madame, monsieur Flacon. Sous SP2006-R, la vie est entièrement rédigée. Néanmoins, derrière le temps, nous faisons le dispositif. Par ce motif, plaise à la Cour constitutionnelle de se déclarer compétente. Pour déclarer la requête recevable et fondée, vu qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais d'instance, nous avons dit une remercie. Merci, monsieur le procureur général. La Cour clôt les débats et prend la pause en délibéré pour rendre son arrêt sur le banc. C'est pourquoi, juge la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement son article 161, alinéa 2, juge la loi organique numéro 13-026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 421, alinéa 2, juge la loi organique numéro 13-012 du 28 juillet 2010, portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en son article 33. J'ai eu la loi numéro 6-006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ces articles 25 et suivants, j'ai le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière des contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit la présente requête recevable et fondée. Ordonne à la Commission électorale nationale indépendante de recevoir dans un délai de 48 heures, à dater de la notification du présent arrêt, le dossier de candidature de Mme Billet Batali Joël et de publier la susdite candidature sur la liste définitive des candidats présidents de la République pour l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, à la requérante ou à son mandataire, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce 30 octobre 2023, à laquelle a siégé la présente composition.
La Cour appelle de la cause sous RC007, M. Bonyuma Iseling et Benjamin contre la CENI. La cause était prise en délibéré pour la décision être rendue sur les bancs et sur le dispositif. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle qu'elle est révisée à ce jour, spécialement son article 161, alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026, du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement son article 81, alinéa 1, vu la loi organique numéro 13/012, du 28 juillet 2010, portant organisation et fonctionnement de la CENI, telle que modifiée et complétée, à ce jour, vu la loi numéro 6/006, du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement son article 86, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit irrécevable la présente requête, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, au requérant ou à son mandataire, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce jour à laquelle a siégé la présente composition. La Cour appelle la cause sous RCE 008, M. Sekimunyu Ntabazi contre la CENI. La cause était prise en délibéré après avoir reçu l'avis du ministère public et clos les débats pour l'arrêt être rendu ce jour et nous le rendons sur dispositif. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que révisée à ce jour, spécialement son article 161, alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81, alinéa 1, vu la loi organique numéro 13/012, du 28 juillet 2010, portant organisation et fonctionnement de la CENI telle que modifiée et complétée à ce jour. Vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006, portant organisation nationale indépendante,
au requérant ou à son mandataire et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce jour à laquelle a siégé la présente composition. Ordonne. La Cour appelle la cause au sous RCE 009, M. Kikuni Massou 17, contre M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. La cause est prise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour et nous le rendons sur dispositif. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement son article 161 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/012 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en son article 33, vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour, spécialement en ces articles 25, 26, 27 et suivants, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit la présente requête recevable mais non fondée, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, au requérant, au candidat contesté ou à son mandataire, qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à son audience publique de ce jour à laquelle a siégé la présente composition.
là pour rappel, la pause sous RCE 010, la dynamique progressiste révolutionnaire typo contre la CENI. La cause était déjà prise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour. Nous le rendons sur vos dispositifs. C'est pourquoi, sur la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que révisée à ce jour, spécialement en son article 161 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81 alinéa 1, vu la loi organique numéro 13/012 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI, telle que modifiée et complétée par les lois organiques numéro 013/010 et suivantes, vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telles que modifiées et complétées à ce jour, vu les règlements intérieurs de la Cour constitutionnelle. Spécialement en son article 86, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit la requête est recevable mais non fondée, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, au requérant ou à son mandataire, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré statué à l'audience publique de ce jour, à laquelle a siégé la présente composition. Pour ce dossier, ici aussi de relever pour ceux qui étaient à l'audience de vendredi, le requérant, oh ici c'est la requérante, avait écrit au président de la Cour constitutionnelle pour dire qu'il n'avait jamais envoyé des avocats pour intenter cette action. Malheureusement, c'est lui qui avait saisi la Cour. C'est le président du regroupement dynamique progressiste révolutionnaire typo. C'est lui qui a écrit au président de la République, c'est le président d'un parti et il a écrit en son nom. Ce n'est pas la même personne et c'est ce qui a conduit la Cour à examiner néanmoins la requête et d'aboutir à cette solution de droit. La Cour appelle la cause sous RCE 011, Monsieur Tiani K, Mwadiamjika Noël, contre Monsieur Katumbi Tchakwe Moïse. Le dossier avait été communiqué au ministère public pour son avis et c'est pourquoi nous passons la parole à Monsieur le procureur général pour la lecture de son avis. Monsieur le Président, pour la parole que vous accordez, Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour,
sous SCE 011 après R, la vie entièrement rédigée, nous l'avons déposé au greffe. Nous lisons néanmoins le dispositif. Par ce motif, plaise à la Cour constitutionnelle de se déclarer compétente, de dire la requête de Noël Tchani irrécevable pour forclusion de blé et défaut d'intérêt, subdivisément la déclarer non fondée, dire qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance ou en action. La Cour vous remercie pour votre avis. Elle clôt les débats quand la cause en délibérée pour la décision être rendue sur les bancs. C'est pourquoi la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 161 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/012 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement son article 33, vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour. Vu les règlements intérieurs de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente. Dit la présente requête recevable mais non fondée. Dit qu'il n'y a pas lieu à des frais d'instance. Dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, aux requérants, aux partis politiques Ensemble pour la République, au candidat contesté ou à son mandataire et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué en son audience de ce jour à laquelle a siégé la présente composition. Donc, il est retenu le candidat président de la République. Il est retenu le candidat président de la République. La Cour appelle enfin la cause sous RCE 012, M. Kibunga et Soubé Christophe contre la CENI. La cause était prise en délibéré pour rendre la décision ce jour. La Cour rend la décision sur le dispositif, même si l'arrêt est entièrement rédigé. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, tel que révisé à ce jour, spécialement en son article 161, alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013,
portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81 alinéa 1er, jure la loi organique numéro 13/012 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI telle que modifiée et complétée à ce jour. Vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour. Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux de candidature à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit irrecevable la présente requête, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement de telle instance, dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, au requérant ou à son mandataire, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce 30 octobre 2023, à laquelle ont siégé Mesdames et Messieurs Kamoule Tabadibanga Dieudonné, président, Mavumbu Mvumbi Dingoma Jean-Pierre, Bokonawi Pabunjani François, Kaloumé Asengo Tcheoussi Alfonsi, Jala Rilouma Baati Christian, Lumu Maya Sylvain Juge, en présence du procureur général, M. Jean-Paul Moukolo-Kokécha, avec l'assistance de M. Yalesi Kombosi, greffier du siège. L'extrait du rôle de ce jour étant épuisé, l'audience est levée.
sont dehors, oui, c'est bien, on serait tous. Vous n'avez pas vu que j'étais. Je vais pas on risque de. Un petit mot là, s'il vous plaît. Le problème, c'est que pour défendre les. Non, non, on parle là. Il y a trop de bruit. Franchement, c'est un peu compliqué pour nous. Nos pensées. Brièvement, oui. Nous passerons d'abord à Chérubin. Ok. Et puis, à des ancêtres qui sont en prison. Et là, nous pensons à tous les gens qui sont en prison. Peut-être qu'ils souffrent. Et c'est un grand jour aujourd'hui, c'est le début d'une grande bataille que nous avons menée et que vous nous amenez, qui doit nous amener jusqu'à la victoire. Le peuple souffre et il a besoin de ça. Au moins une chose est vraie, c'est que les débats d'avant ont été les clous et on ne veut plus jamais que vous puissiez y revenir. Je crois que là vous êtes allé au bout du problème et que cette histoire, plus personne ne peut revenir. Est-ce que c'est le premier étape? Non, 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 on était serein, nous pensons que. Nous avons une situation sûre, on l'a toujours déclaré, et c'est les autres qui pensaient qu'il y avait quelque chose, mais pour nous, il y a rien. Nos pensées vont d'abord aux nôtres qui ont payé Pierre Lundi, qui est, dès le début de ces combats, était avec nous, qui n'est plus. Nous pensons à ceux-là qui nous ont coûté, Baba Kimwa, Mwanza, et tant d'autres, avec qui on aurait aimé être là et commencer ces combats avec eux. Ils sont là, Chérubin Mukenge. Et nous pensons à Salomon Skadela qui est en prison. Nous pensons à Mike Mukebai qui était en prison. Nous pensons aussi à notre frère qui, aujourd'hui, est en clandestinité. Donc, Jacqueline Dalla qui a payé 2 ans de prison pour rien. Et je crois que le combat ne fait que commencer. Nous sommes pour deux. Est-ce que cette étape renforce votre conviction d'une justice indépendante? Nous voulons qu'il y ait une justice indépendante. Non, elle est là, donc. Le président de la République a toujours fustigé sur la justice. Vous savez, moi, je suis un avocat. Je ne dis jamais merci aux juges lorsqu'ils ont dit le droit. Tout simplement parce que, jusqu'à aujourd'hui, le président l'a dit, a toujours décrié tout ce qui se passe en justice. Et nous sommes là, ben, justement, pour que si nous gagnons ces élections, nous voulons un vrai état des droits. Il faut que le droit puisse primer sur les préjugés, sur les personnes. Donc vous croyez à une justice indépendante pour la vérité des urnes? Nous voulons qu'il y ait une justice indépendante. Elle est déjà là, non? Non. Pour l'instant, nous sommes qu'au début d'un combat, un long combat. Nous sommes qu'au début d'un combat, d'un long combat. Comment ça prendrait des fruits déjà? Non, non, non. Nous sommes qu'au début. Qu'au début, c'est un long combat que nous demandons au peuple congolais de se mettre debout parce que ça ne va pas être facile. Ce combat est un long combat, ce qui ne sera pas facile. Et nous devons continuer à combattre et veiller matin, midi et soir, puisque l'air n'est plus là pour dormir. Il faut qu'on se mette debout et se battre pour l'intérêt général. Merci beaucoup. Merci. L'avocat du président. Maître Ntamboué. Dans quel état vous. Maître Ntamboué. Dans quel état vous avez reçu cet arrêt? En tout cas, pour moi, ce n'est que justice. J'aime bien l'adage qui dit la rumeur dans la rue et le droit au palais. Le droit vient d'être dit au palais. Contrairement à toutes les rumeurs qui ont circulé autour de la requête du candidat Kikuni, à qui je souhaite bonne chance pour la suite, nous avons été nivelés vers le bas. En tout cas, pour tout juriste, amener ce débat de nom devant la haute cour constitutionnelle nous avait quand même nivelé tous vers le bas. Parce qu'il fallait rentrer pour aller chercher les arguments, parce que la requête elle-même n'avait pas son sens, mais il fallait quand même répondre à cette turpitude pour moi. On s'est prévalu de la turpitude, mais la cour a dit le droit, a reçu la requête, comme je le disais d'ailleurs lors de la plaidoirie, l'accès à la justice est libre. On peut venir même pour réclamer la lune à son prochain. Mais c'est à la cour de dire la lune est insusceptible d'appropriation. Et aujourd'hui, la cour vient de dire le droit Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, c'est lui-même Tshisekedi, c'est lui-même Tshilombo, c'est lui-même Félix Antoine, Fatih Béton, et tout le reste ne sont que des éléments du nom. Lorsqu'on a nommé un, on n'a pas commis un faux avec son nom.
Lorsqu'on en ajoute un, pour autant que c'est le nom attribué dans l'acte de naissance par les parents, Étienne Tshisekedi Wamulumba, et sa mère, donc il n'y avait vraiment pas de débat. Mais il fallait couvrir l'audience pour faire dire à la Cour que la requête est non fondée, et c'est ce que dit la Cour, la requête de M. Kikuni, recevable, mais non fondée. Merci. 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 Ça va bien, ça va. Voilà. John, c'est fini? C'est fini? RTMC, c'est comme ça? Voilà, c'est fini. C'est fini, la Cour a délibéré, a rendu ses arrêts. Le live à suivre, à partager, sans modération, depuis la Cour constitutionnelle. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Donc nous étions là pour les arrêts de la Cour par rapport à l'enquête sur les contentieux électoraux. Et vous avez suivi tout ça. Et voilà. Moïse Katumbi reste candidat président de la République. Requête de Noël Tchani, recevable mais non fondée. Félix Tshisekedi, candidat président de la République. La requête de Seth Kikuni, recevable mais non fondée. Joël Bilé, la requête recevable et fondée. Et la Cour ordonne même à la CENI de la retenir comme candidate président de la République. Donc Joël Bilé, candidate présidente de la République. On en aura maintenant deux. Après Madame Ifoku, ce sera donc Madame Joël Bilé, qui est aussi une ancienne journaliste. Voilà, maintenant qui revêt la peau de politique. Bonne chance à Madame Joël Bilé, qui est maintenant retenue officiellement comme candidate présidente de la République. On attendra que la CENI puisse réactualiser sa liste et afficher la photo et le nom de Madame Joël Bilé, à qui nous souhaitons bonne chance pour la suite de la campagne électorale. Félix Tshisekedi, candidat président de la République. Moïse Katumbi, candidat président de la République. Vous avez entendu qu'à un moment donné, il y avait du bruit en bas, puisque les militants sont quand même venus en masse pour faire le suivi de la requête d'aujourd'hui, puisque c'est un jour important, tout se déterminer ici. Et donc merci, et merci à vous qui nous suivez, qui commentez. On a eu un petit problème de son au début, mais ça va. Merci. Et à ceux qui nous envoient, envoyez-nous des étoiles. On dit qu'il faut envoyer des étoiles. Il faut partager la vidéo, envoyer des étoiles. Et elle est déjà monétisée, certifiée et monétisée. N'oubliez pas. Voilà ce que je voudrais vous dire. Vous voulez passer? Donc, Tolobi, vous êtes Lingala, Tolobi, Mama Liette. Lingala Balobini. Zela nanu Mama Liette. Lingala Balobini. Namokuse na Lingala Balobini. Namokuse. Moïse Katumbi, Noël Tchani, à côté de ce Mokanda, pour la candidature de Moïse Katumbi pour constitutionnel et quatre camps. Et Talaki Angola Bozindo, Kasi, et Yambi Angola, Kasi, le but de Makabo Akumi, les Anatinate. Le Colate, on a pour le candidat de Félix Satoua, et c'était un petit bon boss. À côté de ce que Mokanda, pour la télémila de candidature pour constitutionnel et Yambi Mokanda, Kasi, le but de Maïma Komikuna, les Anatinate, le candidat de Mokanda. Voilà. Donc, Yango Wana Mpousse. Tout le monde vidéo à partager sans modération. Balobi, hein, tu maîtrises ton boulot. Quel bel résumé. Maman Liate. Balobi, résumé Kitoko, Nalingala. Merci beaucoup.
Mama liya te yartense. O lingala ya solo solo. Lingala bakanja. Bravo. Yo balam noni. Qui va à Kikongo? À Kikongo va l'oubine. Merci beaucoup, Bon Domingue. Alors, il y a un chiluba. Chiluba, on a la chiluba. Azate. Chiluba, il y a qui te. Toi, tu parles chiluba? J'essaye. Ah, il faut essayer. Hein. C'est comment? Bah, hein, en chiluba, on dit quoi? En résumé. En résumé, en chiluba, qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui? En chiluba, on peut dire. Waluba Ditunga. Donc voilà un peu ce que l'on peut dire. Donc en ce moment, il y a eu plus de peur que de mal. Et maintenant, la candidature de Moïse Katumbi est retenue. Et je crois qu'il est temps maintenant que sur terrain, on voie qui est fort. Qu'on ne se plaigne plus qu'on nous a empêchés de faire ce qu'on pouvait faire parce qu'on devait ou on avait la capacité, la possibilité de gagner. Non, on doit voir tout ça sur terrain maintenant. Et voilà, le droit a été dit. Merci. Oui, très bien. Allez, ça n'est fini pour aujourd'hui. Ça n'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve next time. On dit que je dois recevoir des étoiles. Des étoiles, oui. Chaussure, non, là, ta chaussure. Non, non. Chaussure, c'est quoi?